Beaucoup d'émotions au château. Bien. Beaucoup d'émotions. Céline Pasquier va-t-elle réussir son pari de chanter devant un public? Merci d'être vous. C'est parti. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit et aujourd'hui on trinque avec... C'est un jingle avec mon nom? Ah, c'est stylé, je le veux. Ah, pas mal. Ouais, stylé, ce sera ma prochaine sonnerie de téléphone. Yeah, yeah, c'est moi, c'est Colin en direct de la radio avec David. Oh. Ah oui, donc il m'a cerné, quoi. Ça va bien avec ta perso. Énorme c'est pas peu, non. Pitié, non, tu n'as pas mis ça dans le prompt. Tu n'as pas mis ton dit. J'ai mis juste ton nom. Il a fait ça. Voilà ce que j'inspire au monde. Exact. C'est Nia. Et on trinque aussi avec... Céline. Céline Pasquier. Céline, alors c'est tout toi. Voilà, c'est moi. C'est un peu un hit d'été, ça. Ouais. Céline Pasquier. Oh. Oh, c'est bon, ça. Céline Pasquier. Céline Pasquier. Pas mal. Excellent. Céline ça, dans les campings, ouais. Ça fait fureur. Ah ouais. Et on trinque aussi avec... avec qui? Olga. Ah ouais. Il attend, c'est dans Insta ou là. Ah, oh, sont un peu mielleux aussi, là. Ouais. Un peu tchatcheur. Oh là là. C'est chaud. C'est excellent. Ouais, je connais pas vos noms. Ouais, c'est vrai. Nos vrais noms, tu veux dire? Ouais. Tu ne le sauras jamais. Moi, c'est facile, c'est dans le... dictionnaire. Ouais. C'est dans le petit... tout court. Qui, dans quelle émission, on a des jingles à son propre nom? Aucune. Vous pourrez mettre ça pour vous introduire dans les comedy clubs. Mais en plus, il faut qu'on fasse... On veut faire un générique pour notre comedy club. Ouais. Mais pas avec l'IA, on veut chanter un single pour introduire tous nos plateaux avec... Eh ben voilà. Bienvenue au comedy club tout court. Céline. Oui. Merci beaucoup. Mais tu t'éloignes de plus en plus. Non, non, mais t'as peur du micro, en fait. Non, mais il est gros. Évidemment, il est gros et poilu. Et alors? Alors, je te dis pas qu'il y a des caméras, alors. Non. Ah, c'est filmé. Non. Non, c'est pas possible. Tu commences dans le métier, c'est ça, hein? J'ai fait ma première le 7 mars 2023. Oh. Donc, tu commences dans le métier par rapport à Drucker, je veux dire. J'ai toujours des repères. Par rapport à Drucker. Mais Drucker, il est... Bah oui. Sur une échelle de 1 à Drucker. Ah, cela dit, en tant qu'humoriste, il commence dans le métier de Drucker. Attends, il fait de l'humour, Drucker? C'est vrai. Oui, ça marche bien. C'est vrai? Oui, il est monté sur scène, il raconte les anecdotes de la télé, mais ça marche bien. Le mec, il a 55 ans d'anecdotes derrière lui. Ah bah oui. Merci, Céline. Alors, Céline, tiens. Très énervé. Oui, c'est vrai. Donc Céline, qui n'est pas Dion du coup. Non, non. Céline pas Dion. Donc j'aurais pu. Toi, tu travaillais dans un autre secteur, dans un secteur classique. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant? Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ça fait 25 ans que je bosse dans la grande distribution. Ah, la vache. Voilà. Dis donc, avec tout ce qui est caddie. De celle qui nous nourrit, tu veux dire? Évidemment. Oui, oui, c'est toi qui nous nourris. Non, il n'y a pas que de l'alimentaire d'ailleurs. La grande distribution, il y a aussi de... aussi, ouais. Hein? Il y a du non-alimentaire aussi. Bah voilà, tu peux trouver ça. Des micros, d'ailleurs. Il y a du blanc, du brun. Tu connais le blanc et le brun? Pas oh du non, tout. Non, on dit plus ça. Quoi? Oh, depuis combien de temps on dit plus ça? Bon, dans mon entreprise, on dit PMGM, mais comme PMGM. L'entreprise a changé de main... Et ça vous va, là? T'es trop un boomer de la grande distrib, quoi. Ouais, c'est ça, je suis un boomer. Ça a changé la grande distrib. Non, le brun, c'est tout ce qui est électronique, magnétoscope, machin. C'est ça. Et tout ce qui est blanc, c'est le brun, c'est tout ce qui est magnéto, DVD. C'est pour ça que ça ne s'agit plus. Ouais. Et le blanc, c'est électroménager, machine à laver, frigo, tout ce qui est blanc. Quoi. D'accord, d'accord. Et donc PMG, c'est quoi? Non, PM, c'est petit électroménager. Oh, petit. Oh, ouais. J'aime, c'est gros électroménager. Oui, mais il y a des gros bruns et des petits blancs, non? Non, je sais pas. Certainement. Oui, comme dans la vie. Tu le mets où, le sèche-cheveux? Le sèche-cheveux, tu le mets où? Petit électroménager. D'accord. Beauté, ouais. Et le gros ventilateur? Alors celui-là. Ah bah voilà, voilà. Ouais. Et l'aspirateur Dyson sans fil qui finalement fait presque la taille d'un sèche-cheveux. Exactement. Et ben, ça c'est du petit électro. Oh, oh, ça n'a Dyson. Aucun sens. C'est pour ça que tu as quitté Dyson. Ce métier pour devenir humoriste. On a le droit de citer des marques comme Dyson? C'est trop tard. Tu vas recevoir Dyson un petit procès. C'est Dyson qu'on n'a pas le droit de citer. C'est Dyson qu'on peut pas dire Dyson du coup. Donc Dyson c'est.
Allez, c'est mort, on n'a pas le droit. Fini, Dyson. Les aspirateurs Dyson, j'adore. Non, on n'a plus le droit. Ou alors, il faut citer trois autres marques d'aspirateurs. Mais allez. Je connais. Ah, vas-y, Céline va nous sauver. C'est bien. Sors-nous du PM un vas-y, peu. Vas-y, donne-moi. Hoover, Moulinex. Moulinex. Moulinex, il mixe ta moquette. C'est Electrolux. Merde. Il n'y a plus une tâche. Electrolux. Il n'y a plus de moquette. T'aspires ta moquette dans un gâteau. Ça, c'est fait. Ah, c'est bien d'avoir une Céline Basquiat. C'est génial. J'ai été acheteuse en petit électroménager. Comment ça se passe? Comment t'achètes des brosses à dents électroniques? Et bah, on achète, en fait, on fait des contrats et puis on reçoit les industriels. Viens près du micro, n'aie pas peur. Parce qu'à un moment donné, ça. La nouvelle brosse à dents qui te permet d'avoir des dents ultra blanches. Bien sûr, avec ça marche. Le nombre, j'en ai acheté trois et j'ai toujours les dents jaunes, mais sinon ça va. Mais parce que tu les achètes ou tu t'en sers quand même. Non, je les achète et je m'en sers. Bien ah, sûr. D'accord. Voilà. Est-ce que tu testes toi-même ce que tu vends? Excuse-moi, j'ai plein de questions sur la grande distribution. Peut-être pas trop de questions. Non, tu achètes les produits et tu les testes ensuite. Non, moi j'achète pour une entreprise en fait. Ouais, d'accord. Oui. De grande distribution. Je suis le relais du fournisseur. Ok, d'accord. Donc on référence des produits, on les contractualise. On met ça dans des gammes, on fait des catalogues. Après, tu peux les mettre en haut ou en bas, en tête de gondole, tu négocies tout ça. Enfin, négocier, pas nécessairement les emplacements, mais. Ouais. Voilà, là, ça, c'est du facing. Non. Il connaît tous les termes. Je te fasse une plus à jour. On dit pas du facing. Non, le facing, c'est le fait de ramener les produits à la face. Pour qu'ils soient, pour que ça fasse un mur dans les rayonnages. Qu'ils soient face au monde. Voilà. Et comment on dit le rangement, j'ai oublié. Le ranging. Le merchandising. Ah bon, il y avait un autre mot, je ne sais plus comment on disait. Parce que c'était, le rayonnage. Merchandisage. Merchandisage. Voilà. Okay. Avec des règles. Avec des règles. Ouais, produits en bas, au milieu, hauteur des yeux. Ça m'a suffi. Et est-ce que maintenant tu travailles dans l'humour? J'essaye de travailler dans l'humour. Ouais. Ouais. Voilà. Je joue mon spectacle. Ah, t'as déjà un spectacle? Ouais, j'ai un spectacle. Ben oui. Ouais, comment il s'appelle? En liberté inconditionnelle. Oh, très bien, très bien. Et attends, c'est mars de l'année dernière ou ouais, 2023. Ouais, 2023. Ah, oui. J'ai joué le jour de la grève des trains. Oh, très très bien. C'était exceptionnel. Je crois que c'est un petit peu comme les mariages plus vieux, les spectacles en jour de grève, ça porte bonheur après pour la suite. Mes parents sont montés d'Avignon, c'était Ouigo au départ, et puis finalement ils sont montés en bagnole. Donc... Oh merde. Ah oui. Ah ouais, ça a été un truc... Ils ont aimé le spectacle? J'ai entendu ma mère rire. Ah. Ah, c'est bon signe. Elle avait jamais rire. Ça faisait 20 ans que je l'avais pas entendu rire. Ah, c'est bien. Oh, ta mère rit très peu. Est-ce qu'elle se moquait? Elle riait ou elle pleurait? T'es sûre qu'elle riait? En fait, je me moque pas mal d'elle. Oh. Ah, c'est pour ça. Et la boulette. Très étonnamment, ça l'amuse beaucoup. Ah. Mais ça, c'est plutôt bon signe. T'as trouvé au bout de 20 ans ce qui faisait rire ta mère finalement, c'est se moquer d'elle. Ouais, j'aurais pas cru en fait. Personne n'avait essayé avant ça. Personne n'osait. Si, mais elle en parlait pas. Ah oui, très bien. Ah ouais. Et ton père, pas du tout. Un peu moins, alors que je pensais qu'il aimerait. Et il a même pas ri de ta mère. Si, et les autres s'en chargent très bien. J'ai une idée qui me vient. Ça te dirait pas de t'approcher du micro quand même? Ça m'aiderait énormément au montage. C'est le micro qui vient à toi. Là bien sûr. Sur scène, t'as pas un micro? Quand je chante, oui. Qu'est-ce que tu chantes? J'ai une chanson qui s'appelle Plus grosse que Kate Moss. Oh. Incroyable. Et elle va nous la chanter en live aujourd'hui. On dirait du Helmut Fritz. Oui, c'est vrai. Plus grosse que Kate Moss, ça m'énerve. C'est ça, c'est sur l'acceptation de soi. Très bien. Voilà. Et tu le joues, ton spectacle? Pour l'instant, à Paris. Pour l'instant, à Paris. Et où à Paris, si je peux dire? Billard-et-Duc, comme ça. Alors, tu as commencé au lieu, mais peut-être ailleurs bientôt, peut-être le Marais, peut-être... Si tu as besoin de numéro de salle de 55-60 places, c'est par moi. C'est eux. C'est eux. C'est eux. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ah, Olga, qu'est-ce que tu faisais avant l'humour? J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas de l'humour. J'ai fait un master en sociologie. Oh, elle est en train de nous juger. Exactement. Oh là là. Elle sait de quel profil sociologique tu fais partie. Oh là là, je vous observe. Beaucoup d'émotions au château. J'ai noté beaucoup de choses sur vous, en tout cas. Non, un master de sociaux et puis après, service civique. J'ai essayé l'associatif, puis en fait, je me suis dit non. D'accord. Et les gens, non. Je préfère qu'on m'aide. Voilà. J'aime je crois pas que les c'est gens moi qui dois aller en asso. Ouais.
Non, mais c'est très... En plus, en service civique, je remplaçais pratiquement un poste. Donc, je n'étais pas dans des très bonnes conditions. Donc, en fait, ça m'a un peu dégoûtée. Ah, comment t'es arrivée dans l'humour? Comment t'es arrivée humoriste? Elle était déjà drôle avant, je précise. Ah, ça, c'est souvent ça, hein, oui. C'est de nature, heureusement. Hein. Même quand elle était dans l'associative, elle était marrante. Ah oui. C'est ça. Alors, peut-être qu'elle était risible. Elle est devenue marrante. J'en ai marre, je vais devenir marrante. Ouais. Paf. En fait, c'est plus... Voilà, donc... Oh là, c'est pas clair. C'est pas grave, tu sais, il y a du montage. Mais là, c'est impossible. Non, après ça, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais vraiment faire. En plus, c'était la période Covid. Et là, j'ai pas suivi. Une petite période un peu chiatique, mais d'accord. On s'en est remis. Après, beaucoup de morts. Je connais rien, c'est comme la distribution. Il y a quand même eu un confinement. Mais bon, voilà. T'es encore sur la polio, toi, en termes d'épidémie. Oui, bien sûr. La peste noire, la grippe espagnole. Ah ouais. J'ai un pied beau. Non, comment on dit ? J'ai un pied. Un oignon. Ah, j'ai un oignon. Bien sûr. Avec cette voix, toutes les maladies font vieille. Et j'avais deux idées, c'était documentaire et être comédienne. Et du coup, j'ai essayé les conservatoires de Lyon et de Strasbourg, je n'ai pas été prise. Mais s'en est suivie l'idée de vouloir monter sur scène. Et j'avais l'impression que le stand-up était une possibilité assez rapide de pouvoir monter sur scène. Bien sûr. En fait, je disais... Le comédie club aussi, ouais. Oui. En général. Et puis quand je parlais du fait que je voulais... faire les conservatoires, j'avais... À ce moment-là, ça, on dirait que je me la raconte un peu, mais j'avais beaucoup de potes. J'étais les commentaires, on dirait qu'elle se la raconte. Dans les commentaires. T'es en live, toi? Oui, bien sûr. Ça raconte. Putain. Non, mais il y avait beaucoup de potes. Moi aussi, j'ai acheté un Dyson, Céline. C'est trop cool. Allez, re 3 marques, s'il te plaît, Céline. Dégouche-toi. Non, mais qui me disait, tu es comédienne pour faire un spectacle d'humour et tout. Donc, en fait, je me suis posé la question s'il fallait pas que j'essaye de faire ça. Directement l'humour. Voilà. Et bien sûr. Et du coup... Tu rencontres... Pas du tout. Non, alors, on se connaissait d'un peu avant, mais pas tellement. Ah. Mais c'est mon copain qui m'avait dit, tu vas trop bien t'entendre avec Sam, et puis je veux trop que Sam, il se remette dans l'humour et tout, parce qu'après, il vous explique. Mais qui est Sam? C'est moi. Colin. C'est pas mon vrai prénom. Eh oui, c'est mon surnom de lycée. J'ai tout dévoilé. Première interview qu'on fait. Il faut recommencer les jingles. Premier média qu'on fait, elle me crame, quoi. Ne me cherchez pas sur Google, s'il vous plaît. Je comprenais rien. Mon copain. Donc, je croyais que c'était lui. Ah non. Disait que Sam, mais où est Sam? Je ne comprends rien. Il ramène la voiture. Je vais tout reclarifier. Beaucoup trop d'émotions dans la tête. Je vais tout expliquer. Je vais tout vous expliquer. D'accord. Et Fissa. Eh bien non, mais moi, Sam, c'est mon prénom. En gros, moi, Colin, c'est mon nom de famille. Et en fait, dans mon groupe d'amis de lycée, on est deux à s'appeler pareil. Et du coup, tous mes potes de lycée m'appellent par mon nom de famille. On a connu ça. Et j'ai trouvé que c'était, comme c'est aussi un prénom. Ça marche. Je me suis dit que c'était plus rigolo de m'appeler Colin et plein de gens m'appellent comme ça. Du coup, ça me choque pas du tout quand on m'appelle Colin. Les gens qui me connaissent bien disent mais attends, on t'appelle comment? On t'appelle Sam ou on t'appelle Colin? Ben voilà. Pour le public, c'est Colin. Exactement. Pour la police et les autorités, c'est Sam. Exactement. Tout ce qui est garde à vue, c'est Sam. Et voilà. Et je l'ai rencontré du coup, le gars, quand j'ai rencontré. Du coup, on se connaît via son copain actuel et elle était serveuse dans une boîte de nuit où on allait pas mal à Lyon. Et du coup, Barmaid, excuse-moi. Little Barmaid. C'est quoi, comment s'appelle le bar, dans un club? C'est Le Sucre à Lyon. C'était Le Sucre, ouais. Le Sucre à Lyon. Et voilà. Oui, parce qu'après, j'ai fait plutôt des boulots alimentaires. Barista, barmaid, ouvreuse au Théâtre des Célestins. Alors, c'est marrant, hein, ça mène à la sociologie. Hein. Exactement. C'est là qu'on a finalement regardé beaucoup de gens. Ah oui, c'est surtout là. Il y en avait de la sociologie aussi. Ah bah ça, c'est clair. Mais je faisais des enquêtes en même temps de servir des verres. Hein. Mais moi, mon premier rapport avec elle, c'est vraiment son copain que je connais depuis le lycée qui me dit putain, mec, en ce moment, je fréquente une meuf, elle est barmaid au sucre, on a tout gratos, il faut absolument que tu viennes au sucre. Ah bah, je suis en train de... Non, c'était pas ça non plus. Tu as super bien entendu avec elle, mais elle va nous servir des verres gratuit. Du coup, on allait beaucoup au sucre à l'époque. Parce qu'on pouvait boire un peu gratos. Parce que t'es de Lyon aussi? Je suis de Lyon aussi, ouais. Je suis lyonnais. Ça fait 8 ans que je suis à Paris, donc ça commence à faire beaucoup de... Je commence à beaucoup râler, beaucoup souffler dans le métro. Je deviens un petit peu parisien. J'aime beaucoup l'effervescence de cette ville, mais c'est vrai que de base, je suis lyonnais. Je suis parti à 18 ans de ma province. Bien sûr. J'ai quitté ma province. Mais j'ai décidé de Paris. Que d'imitation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et on s'est connus du coup à Lyon, parce que je continue d'aller beaucoup à Lyon, parce que j'ai toute ma famille là-bas. J'adore Lyon. Eh bien justement, toi t'es aussi de Lyon? Non, pas du tout. Non, mais ma sœur habite Lyon. Ah. On va jouer à Dans le panneau. Dans le panneau.
faut deviner le vrai du faux. Des villes chelous de ta région, auras-tu tort ou bien raison? Vas-tu tomber dans le panneau? Dans le panneau. C'est très simple, je vais vous donner des noms de lieux chelous qui se trouve dans la région de Lyon, autour de Lyon. Donc à chaque fois qu'on gagne, on gagne une rondelle. Au bout de 3 rondelles, vous avez le droit à un Jean-Pascal. Oh. C'est-à-dire un agitateur. Oh. Alors chaque fois, je vous mets en vidéo, voilà, ceux qui ont l'image, vous avez le panneau. C'est sur des panneaux de ville, en fait, c'est des communes. C'est des communes, des lieux dits, mais il y a toujours un panneau. Parfois, d'accord, c'est des rues. Okay. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Et c'est pour ça que ça s'appelle dans le panneau. Le nom du jeu est bien trouvé. DLP, t'as c'est vu excellent. Bon. Bois le vin ou mange le pain? Bois le vin. Bois le vin. Quoi couper? Ok. Bien, c'était bois le vin. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Mesdames ou mes yeux? Mes yeux. Oui, mes yeux, évidemment. C'est bon. Ah, vous connaissez mes yeux? Mes yeux. Ouais. Eh ben, c'est gagné, mes yeux. Ah, qui a dit en premier? Tout le monde, bah, tout le monde prend une rondelle. Donc, il n'y a pas de truc de premier de ou quoi? Non, après, c'est celui qui a le plus de rondelles ou de Jean-Pascal. Donc, de Jean-Pasco. De Jean-Pasco. Attention, si vous avez 3 Jean-Pasco, on appelle le vrai Jean-Pascal. On peut le garder après? Jamais. Allez. Je donnerai le lien Amazon. Est-ce qu'on a dit Amazon? Il faut qu'on dise d'autres... Allez, c'est Discount. Prime Video. Et... c'est Discount. Non, Prime Video, c'est la même chose. Le Amazon, Le Bon Coin. Le Bon Coin. Vinted. C'est Discount. eBay. eBay. Billy le Vieux ou Willy le Vieux? Billy le Vieux. Eh bien, c'est Billy le Vieux. Yes. Et donc moi, attends, j'ai gagné encore là. Route du Bâtard ou Chez le Gras? Chez le Gras. Ah, vous connaissez Chez le Gras? Non, ouais. Mais Route du Bâtard quand même. Moi, je dis Chez le Gras. Ok. Moi aussi. Oui. Moi aussi. Eh bien, c'était les deux. Les deux sont vrais. Alors là, c'est perdu, hein, si vous n'avez pas dit les deux. Ouais. Ouais, on a pas dit on les a deux. Une demi-rondelle. Eh ben non. Ne se divise pas. Tu te la coupes. C'est des fausses rondelles, c'est en plastique. Tu te la coupes toute seule. Bonne Famille ou Les Tuches? Bonne famille. Bonne Famille, ça existe, ouais, je crois. Et Les Tuches, ce serait incroyable que ça existe. Non, les bacs. Ah, quand même pas. Si. Il y a eu 4 films, à mon avis. Il y a un maire qui aurait pu se motiver à renommer. C'était peut-être avant. Peut-être que Olivier Barou a eu l'idée. Peut-être. En allant au... en vacances. Ça existe aussi alors? Bah oui, Danny Boone a eu l'idée en voyant les ch'tis. Donc Berg, ça existe? Bah évidemment. On est où là? Dupont de Ligonnès a eu l'idée quand il a vu sa terrasse. Il s'est dit, non mais voilà, c'est comme ça que. Tu viens d'une inspire. Oui, c'est la sérendipité. Je sais, c'était mal dit, mais c'était bien pensé. Je connais pas. Eh bien, c'était les deux. Bonne Famille et Les Tuches. Et il y a même le Chemin des Tuches à Saint-Savin. Et il y a le Chemin des Tuches 1, le Chemin des Tuches 2 et le Chemin des Tuches 3 et 4. Il y a des numéros. Oui. J'aimerais bien, parce qu'il y a eu 4 films quand même. Bah évidemment. Il y a 4 parcours. Les Tuches 5, les Tuches 5. Vous voulez faire la balade des Tuches? On passe par les Tuches 1, les Tuches 2, les Tuches 3, les Tuches 4. Comme Amélie Poulain. Il y a eu le petit train. Tuches pas. Le crachat ou le molar? Le molar, ça existe. Le molar. Moi, je pense les deux, David. Je dis les deux. Oh là 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 là. Je le tente. Mmh. Alors, c'était le molar. Je retiens ses paroles, c'est ça? Hey. Je t'ai gagné là. Rue des Sept Nains ou Rue des Sept Familles? Les deux. Rue des Sept Familles. Rue des Sept Familles, c'est une secte très sympa. Oui. Les Sept Familles. Sur combien? Sept. Ok. Eh bien, c'était Rue des Sept Nains. Ah et non, mais non, mais non, putain. Ça existe. Et enfin. Nus ou culotté? Nus. Je tape. Nus. Ok. Eh bien, c'était nus. D'ailleurs, ils ont un hymne, ça fait nus. Vous l'avez? Alors, il faut citer 3 marques. C'était nus. Ah putain, si vous voulez, je fais 3 jingles de marque. Vas-y, fais 3 jingles. Optique 2000. Ça, c'est une marque. Tanadang-tang-tang. Tanadang-tang-tang. Ça, j'aime bien. Pas mal aussi. J'ai fait les cités de génie. Et ben voilà, on en sait un peu plus sur Lyon. Et voilà. Sur sa région. Évidemment. Colin, du coup, Sam. Bonjour. On ne sait plus. Dites-moi, Colin. Toi, pareil, tu as commencé à Lyon? J'ai commencé à Lyon, tout à fait. Enfin, j'ai commencé, pas du coup l'humour, mais la réalisation. Ouais. Je fais de l'audiovisuel. Mais j'ai découvert l'audiovisuel en jouant dans des petits contenus que vous ne verrez jamais, puisque ce n'est jamais sorti vraiment. Quel dommage. Je vais sur une série sur Chérie 25, si quelqu'un la retrouve, ça s'appelle Dos au mur. Je joue un petit con.
Ah, voilà, je pense que mon rôle s'appelait Petit Con. Mais je vais le retrouver, d'ailleurs je mets les images. Oh, ce serait, tu sais que vraiment j'ai jamais vu Les enfants de la télé. Ah, mais c'est passé ou pas? T'as tes contacts. Bah c'est passé, apparemment sur Chérie 25, mais déjà c'était pas sur Télérama, donc j'ai pas su Attends, mais c'est passé, t'as réalisé? Non, j'ai joué dedans. Ah, t'as joué dedans? J'ai découvert un peu les plateaux en jouant dans des petits trucs et tout, et je me suis dit, ah, ça me fait kiffer, je faisais ça avec mes cousins. Okay. Au d'un moment, plus personne n'a voulu me filmer, du coup je me suis mis à filmer mes cousins. J'ai bien aimé, notamment le montage, j'aimais beaucoup, du coup j'ai fait un lycée audiovisuel, et à 18 ans, j'ai quitté ma province. J'ai retenu, j'aimais bien filmer mes cousins. Le week-end chez mes grands-parents. Et à 18 ans, j'ai quitté ma province. Exactement. Okay. Avec quelques affaires au cul, mais bon, bref. Évidemment. Et du coup, oui, je suis parti. C'est Sam pour la police. À 18 ans. Et après, j'ai fait une école d'audiovisuel à Paris, et puis je me suis lancé dans la réalisation. De clips. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je bosse, ouais, je fais des clips de musique. Trop bien, t'as c'est fait super. Qui, t'as fait qui? Oh, j'ai fait plein d'artistes. Ouais, puis, oh là là, oh là, que, là. Qui est-ce Grégoire. Que j'ai pas fait? Grégoire. Non, je dis des trucs, moi j'en sais rien, moi je suis balance des plein, trucs. J'ai fait qui? J'ai fait Joker, j'ai bossé avec Soso Maness, avec Le Vrai Michel, avec Madame Monsieur. Le Vrai Michel, oui. Parce qu'il y a un faux Michel. Évidemment. Non, Michel Polnareff est un faux Michel à mon sens. Bah, évidemment, Michel Berger, t'en connais un deuxième dans le théâtre, il s'appelle Michel Berger, c'est le faux Michel Berger. Exactement, Le Vrai Michel, toute sa DA, c'était tous les autres Michel. Michel sont des faux. Évidemment. Moi, je suis vrai. Son premier album, il tirait sur des vinyles des autres Michel. Évidemment. Ça. Énorme. Ouais. Et du coup, voilà la musique. Et en ce moment-là, je suis très fatigué parce que je travaille sur un clip pour l'Eurovision Junior, mais je peux rien vous dire. Wow. Revignon. Vive la France. Oui, votez pour la France à l'Eurovision Junior. Et alors, anecdote de clip, un truc de fou. Ah bah anecdote de clip, bah il y en a plein. Bah la 12. La 12. Alors, je regarde dans mon petit carnet. CD. Non, anecdote de clip, bah à un moment donné, du coup moi j'écoutais beaucoup de hip-hop. Pourquoi? Et parce que j'aime bien cette musique. Ah, d'accord. Très bien, mais je me renseigne. J'aime le rythme. J'ai aussi fait beaucoup de batterie. D'accord. J'aime le rythme et les paroles engagées. Et mes parents écoutaient aussi un petit peu et tout, et du coup j'écoutais vachement ça. Et en bossant dans le hip-hop, tu te retrouves parfois dans des situations un peu rigolotes. Par exemple, on a tourné dans un quartier sensible après le Covid. Le Covid, toujours, et ça manque de ref, là. C'est marrant que t'aies jamais suivi ça. Bah, j'étais dans une grotte. Et en tournant après Covid, on n'avait pas le droit d'être plus de 10, tu sais. Et du coup, nous, on appelle tout le monde à faire de la figuration et tout. Et là, on se retrouve à vraiment 150 au milieu de ce quartier. C'était une trop bonne ambiance, moi j'adorais. Ce qu'on appelle un closer. Exactement. C'était une trop bonne ambiance et à un moment donné, il y a les flics qui sont venus en disant « Il faut que vous soyez 10 max ». Et du coup, ben... Un flic de Paris. Ouais. Qui ressemble, que c'était Nikos, vraiment. Nikos, c'est le flic la nuit. Beaucoup trop d'émotions dans ce quartier. Beaucoup trop d'émotions dans ce quartier. J'ai besoin qu'on se calme un tout petit peu et qu'on laisse. L'attention est palpable. Mathieu chantait. L'attention est palpable dans ce quartier d'Île-de-France. Et donc voilà, et y a des jeunes qui voulaient pas que le clip s'arrête, qui voulaient pas quitter le plateau. Bien sûr. Et il y a quelqu'un qui a jeté une bouteille en verre sur le pare-brise des policiers. Alors, la chose à ne pas faire, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. C'est fait par les professionnels. Autres, par exemple, c'est très drôle. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu viré violemment, quoi. Mais c'était rigolo. Et puis il y avait une sorte de. Enfin, rigolo. Pas c'était pour tout le monde. C'était caustique. C'était caustique. Atypique, on va dire. Exactement. Et on a fini par rentrer dans un magasin qui a fermé. C'est on rit de faire et voilà, on s'est posé dans une petite supérette, on a attendu 2-3 heures le temps que tout le monde se calme et puis après on est ressorti faire le clip avec voilà. 150 personnes. On est vraiment les flics. Il y a des CRS qui sont venus, qui ont mis des gaz, etc., qui ont poursuivi des jeunes à moto, qui ont essayé de les éloigner du lieu. Et quand même, vraiment 2 heures plus tard, on est ressorti, il n'y avait plus personne et on a fait. Bon, bah, il nous manque une séquence. Ça trop bien. Et le clip, on peut le voir quelque part. Tout à fait, mais je sais pas si je vais dire ce que moi, ça me lierait à des... C'est un petit jeu. Faut exactement. Deviner. T'as pas des indices? C'était pas vraiment un clip, c'était un freestyle bouscapé. Ah oui. C'est pas un grand avec qui boite, qui parle un peu comme ça avec une canne. Ah, non, c'est pas lui. Non. Putain, c'était encore malade. C'est pas lui. Je voudrais faire un slam pour une maladie qui m'a fait beaucoup de mal. Je voudrais faire un slam pour une banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. C'est très bien. Céline, bonjour, comment allez-vous? Céline, anecdote dans la grande distribution? Ah, je pense que t'en as vu des trucs. Oui. On revient vers toi dans une heure. Non, mais là, c'est vrai que je t'ai pris un petit peu à brûle pour point. Non, ce qui est dur, souvent, moi j'étais en magasin, dans un magasin un peu difficile. Ouais. Et il y a des clients, y en avait une, elle était possédée, quoi. Ah, c'est-à-dire posséder. Il lui manquait des points sur sa carte. Elle gueulait comme un âne. Ah, mes points. Sa carte de fidélité, tu veux dire? Ouais. C'est pas Jonathan Cohen dans LOL? Mon pied. Il lui manquait l'équivalent de, je sais pas, même pas 3 balles, quoi. C'était terrible.
Bah, et puis des clients qu'on voit tous les jours. Il y en avait un qui se déguisait en Michael Jackson. Il avait 4 perruques. Attends, il venait faire ses courses à Michael Jackson. Il faisait des moonwalks. J'ai oublié les PQ. Vous avez plus de Mr. Freeze. Ah, c'était compliqué. On avait dit mais non, ne lui c'était le pas. Seul hypermarché hanté de France. C'était vraiment dans le piège. Il y a des moments où on vit des moments de grâce. Quoi. Une fois, j'étais tombée quand j'étais plus jeune sur un vieux vicelard. J'étais en train de ranger. Je faisais le facing des raviolis. Attends, j'adore cette phrase. Ça va être le titre du podcast. Le facing des raviolis. Et le type on a le titre de l'émission. Le facing des raviolis. Et le type me regarde. Es-tu ravioli? Mais voilà, ah, mais c'est ça qu'on aime. Sûr. Mais c'est la vocation de l'humour. Ah, c'était vraiment un truc hanté, quoi. Si tu disais trois fois José Bové devant les fruits et légumes, il apparaissait ou pas terrible. À minuit. Ah non, mais franchement. Le facing de ravioli. Le facing est-ce de que ravioli. Tu peux nous réexpliquer ce que c'est que le facing de ravioli, s'il te plaît? On met tout en face. Oui, tu ramènes les produits devant. C'est quoi les petites astuces? On dit, pareil, qu'on met les bouteilles d'eau là parce que c'est le dernier truc qu'on prend dans le caddie et que ça fait trop de place. Bah, les astuces, ouais. Fin... Il y a surtout les produits à la caisse. Oui. Ah, le truc qu'on achète sur le moment. Ah, voilà, tiens, on aime bien ça. Ah, ça, c'est ça, vous. Ouais. Des produits de jouets pas chers qu'on appelle le sèche-pleur. Le sèche-pleur. Ah, oui, ah oui, maman, voilà, je veux ça. Avec un gamin. J'adore. Il nous manipule, moi. Tu es en train de décrire toute mon enfance. Mais tu sais que, par exemple, la promotion. Ça, c'est grosse arnaque. Promotion n'a jamais voulu dire baisse de prix. Promotion, c'est juste une mise en avant. Et donc, quand tu es à tête de gondole, c'est écrit promo, tu dis ah, génial, mais c'est parfois plus cher. Et je non, tombe mais... dans parce que c'est promotion, c'est comme on vous faites la promo là. Non, c'est d'accord. Une mise en avant, mais ça, vous réduisez non, pas non, vos prix. Je suis pas d'accord. Voilà. Ah bah, oh là là, je suis pas d'accord. Pas la grande distrib. Attendez, calmez-vous sur ce plateau. Là, les gens sont plutôt d'accord avec moi. Non, mais en fait, moi, je pense qu'il y a aussi des erreurs qui sont faites. Coup de gueule, là, coup de gueule. Ouais. Elle est en rédemption. par rapport à des... J'ai vu un truc sur un beurre, 1,29€, avec une publicité marquée les 2,60€. Oh, et ben en voilà, fait... C'était moi, je tombe là-dessus, bah, oui. Je tombe dedans. Non, mais, je suis nul en maths, donc moi, ça marche. Moi, ce qui m'agace, c'est de me dire, il y a quelqu'un qui a créé l'affiche... Et le commerçant le met dans le magasin. Ça me dépasse. Bah, oui, mais bon. Je ne pense pas que c'était la volonté de l'enseigne. Pour moi, nous, souvent, quand c'est une erreur, c'est glissé. Ah, voilà. Ouais, c'est le fameux erratum. Erratum, ouais. Voilà, ouais, c'est très ça. Bien. Erratum. Olga, tu fais tes courses parfois? L'art de la transition. Oui, si tu dis l'enseigne, il faut en dire trois. Vous en êtes où de votre spectacle? Parce qu'on n'a pas encore parlé, on va en parler, hein, mais vous avez un comedy club. Comment ça se passe? Eh bien, c'est arrivé assez tôt quand on a commencé là, le stand-up. Je pense qu'on a commencé en fin février et en avril, on voulait programmer une date de comedy club tout court. Oui. Parce qu'on a eu l'occasion d'avoir un petit créneau au Kibélé Café. Ouais, qui est très connu de nos amis théâtre, comédiens et comédiennes. Dans le 10e, ouais. Il y a beaucoup d'impro aussi. Ouais, il y a plein de plateaux. D'humour et tout. Ouais, ouais. On est arrivé sur un moment cool où ils étaient en train de rechanger la progra. Du coup, on a joué un soir là-bas complètement par hasard. D'ailleurs, ça s'était pas très bien passé. On était bien passé. Oui, c'est vrai. On avait un peu bidé, mais on s'est dit le ça lieu arrive. Est super. Ça arrive. Ah, mais c'est comme ça qu'on a connu. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, il y avait une amie qui organisait une soirée et c'était un peu venez à la soirée et faites ce que vous avez envie. Autant du stand-up, de la poésie ou de la musique. Le pitch, c'était un peu jam musique, ouais, quand même. C'est... Il y avait plutôt oui, des potes musiciens. Elle avait mis stand-up, ouais, moi, je me suis dit, et j'ai envoyé un message à Sam, j'ai dit, allez, il faut qu'on joue partout. C'est toujours Colin. Ah oui, mais bien sûr. Je la refais. Ah oui. J'ai envoyé un message à Colin. C'est moi. Mais du coup, Sam est parti, je comprends pas. Oui, il en avait marre. Ah, bien Sam, il ramène la voiture. Exactement. Allez, c'est pour ça que je veux pas qu'on m'appelle ça. Et c'est pour ça que j'ai pas le permis à 27 ans. Putain, moi aussi, j'adore Olga, dans ton spectacle, tu parles de quoi? Eh bien, je parle pas beaucoup. Ah, c'est dommage. Tu danses, ça fait du mime. T'es danseuse. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Non, mais parce que pour l'instant, j'ai que des 7 minutes. Oui, mais t'as quand même des thèmes. Ouais, ouais, c'est ouais. C'est ça que je veux dire. Là, on est en 2032, donc ton spectacle, oui, il est déjà fait. Déjà fait, ouais. On traite de la guerre mondiale qu'il y a eu en 2026. Ouais, évidemment, c'est ça. Que de souvenirs. Non, c'est plus. J'ai plus dans de l'absurde et dans. Et oui, t'es un vrai clown, toi. Ouais, je joue avec des flingues sur scène. Ça va rien dire à personne. Si, si, comme elle ça. Elle jongle avec des applaudissements. Pour vous donner un indice. Quoi couper? Non, je déconne. Oui. Ça, je pense pas que ça c'est le titre du spectacle. Faut peut-être pas le faire. Quoi couper? Quoi couper?
C'est beaucoup d'absurde et parce que je pense aussi que l'écriture pour l'instant me stresse un peu. Je me sens moins à l'aise dans l'écriture que dans de l'impro. Ouais. Mais vous écrivez pas tous les deux ? On bosse tous les deux. On écrit des vidéos ensemble parce qu'on va lancer notre chaîne YouTube. Ouais. On bosse, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai un texte ou quoi, ou que quand Olga a une idée et tout, on s'en parle et on joue un peu l'un devant l'autre. Ok. C'est notre manière d'avancer et de bosser. Ouais. Mais on n'écrit pas à proprement ensemble. Puis on n'a pas du tout la même méthode. Ouais. Non. Sam, il écrit beaucoup. Tu vas beaucoup écrire tes 5 minutes. Si tu parles de qui ? Putain, c'est hyper drôle parce que c'est vraiment le premier truc qu'on fait et elle se gourre jamais sur scène et tout, elle se gourre jamais. Et là, depuis le début, vraiment, elle est pas. Mais vous savez quoi ? Parce que c'est intime ici. Aujourd'hui, ce n'est pas Colin qui est ici. Bien sûr. C'est Sam. Non, mais attends, je vais me rectifier. Colin et moi, on n'a pas du tout la même méthode. Et toi, t'es vraiment, t'écris ton 5 minutes ou ton 7 minutes et moi, je peux pas écrire, j'y arrive pas. Donc, t'es en impro, toi ? En fait, je me filme, quand je le fais chez moi, je me filme et juste, j'ai eu une thématique ou une idée qui m'est venue et je la fais en impro devant ma caméra et après, je regarde et je vois ce que je prends et ce que je prends pas. Ok, mais tu sais, les deux méthodes fonctionnent, hein, plein de gens font ça, c'est des méthodes très différentes. L'écriture de plateau, ce qu'on appelle, l'écriture de table, quoi. D'ailleurs, on a commencé l'impro ensemble, là, il y a pas longtemps, on joue aussi ensemble. Des cours d'impro. Ah, bien, bien l'impro, bien. Céline aussi. Oui. Bonsoir, comment allez-vous? J'en ai eu fait de l'impro. T'en as eu fait, et t'as kiffé? Bah, l'année dernière, j'étais inscrite à un club, mais j'y allais pas. Ah, c'était lequel? T'as improvisé ton, non, mais ton absence. C'est-à-dire que, en fait, c'était trop orienté vers le match d'impro, les règles. Ouais. C'est la base, hein, au départ. Oui, mais moi, ça ne m'a pas plu. Ah oui. Par contre, j'ai eu l'occasion de faire un stage d'impro d'une semaine il y a un an qui était formidable. Ouais, d'accord, avec qui, avec qui? Donc avec Fred Sentier et Cédric Fortier. Très bien. Des frères Fortier. Ouais, ils sont tous dans l'étier. Et quoi. Franchement, c'était, ça m'a ouvert vraiment plus que les chakras. Quoi. C'était d'accord. Vraiment très, très puissant. Bien. On est allé dans le bad. On a joué dans un village, c'est-à-dire que le village était une scène. D'accord. Ah, trop bien. Et on a vécu un... Voilà. C'était une murder party. Non, c'était vraiment super. C'était... Mais vous faisiez des représentations au village On jouait les uns devant les autres. Ok. Et ce qui était drôle, c'est qu'à un moment, il y avait des gens qui étaient dans le village. Et ben, comme on fait avec ce qu'il y a, ben, ils ont intégré les gens, en fait. C'était, trop bien. C'était marrant. Ah, c'est trop cool. Ah oui, grandeur nature. C'est bien ça. Incroyable. Et c'était dans le Diwa. Donc Oula. Dans le Diwa, c'est aux États-Unis, ça. Diwa, non. Le Diwa, c'est, okay. C'est dans la région de Di. Mais ça n'existe pas, cette région, pardon. Mais... Clairette. Je connais très bien la France. Clairette de Di. La région de Di, là, toutes les villes qui existent. Le département Di n'existe pas. Voilà. Non, mais je veux dire, voilà. C'était vraiment un. D'accord. Ça m'a. Il y a des choses qui vous transforment. Et... Ma grand-mère est allée faire des... Oui, je parle de ma grand-mère. Elle est allée faire des... La grand-mère de Sam ou la grand-mère de... La grand-mère de Sam. Colin n'a pas de famille. D'accord. C'est pas tout court. Dans la sauce. Mais évidemment, mais personne va se plaindre de ce moment. Hein. Mais cela dit, c'est très rigolo parce que j'apprends du coup avec ce truc de Colin de gérer un peu un pseudo. Genre les gens disent, mais alors, on t'appelle comment et tout. Ouais. Et du coup, devant les autres humoristes qu'on invite sur le plateau et tout, souvent elle dit voilà, bon, ouais. Moi je me présente souvent en plus en disant ça, mais un petit peu hors scène, quoi, hors caméra. Mmh. Et c'est hyper dur de gérer un pseudo. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont un pseudo. C'est hyper dur de ce sont des héros. Hein. Ce sont des héros. Voilà, Johnny Hallyday, si tu nous entends. Oui. Il s'appelle Eddie Mitchell, en fait. Eddie Mitchell, c'est la même personne. Mais évidemment. Qui est une femme, d'ailleurs. C'est Lady Mitchell. C'est Lady Mitchell. On va jouer à Plagiat. Ouais. Plagiat, c'est le blind test qui te troll. Pourtant, tu connais la chanson. Écoute bien toutes les paroles que l'IA chante à sa façon. Vous allez entendre une chanson générée par l'IA avec des paroles populaires existantes que vous connaissez. Okay. Sauf que ça va faire péter votre cerveau. J'adore. Parce que c'est pas la même interprétation, c'est pas la même musique, c'est pas le même genre. Rien ne ressemble à la chanson originale à part les paroles. Va falloir deviner. Okay. Ah.
Je suis pas mauvaise normalement. Eh ben c'est très bien. Je suis pas mauvaise. Dans la vallée de Diwa. Je suis pas mauvaise. Ça, je suis pas mauvaise normalement. Autant en grande distrib. Je suis pas ch'ti. Je suis pas mauvaise. Je suis pas ch'ti, mais j'ai l'accent. C'est l'accent de Di, quoi. Bienvenue chez les Di. De Diwa. DIY. Je suis pas piqué de hanneton. C'est parti. On n'est pas à l'école, on est de la classe de ceux qui rigolent. On sait bien que la vie est brève. On y met du rire et du rêve. Dans les dîners, la vache est dure. Mais on finit toujours en chantant. Le bonheur à perpétuité. La terre entière veut connaître le secret. Même le chef. C'est hyper dur. Très connu. Un truc de maintenant, ça. J'essaye d'écouter les paroles, mais c'est dur. Il suffit simplement de faire ça. Ça. Et on fait tourner les serviettes. Putain, c'est les serviettes. On fait tourner les serviettes. Sébastien. Voilà. Patrick Sébastien. Mais Patrick Sébastien aurait pu faire du gros rap en fait. Ouais, mais et on fait tourner ça. Les serviettes. Next. Les rugissants du Pacifique, des remous des torrents africains. Et bah c'est Gold. Briser les rêves magiques où elles sont tombées. C'est Gold. Ouh, 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 vers quel océan secret. C'est ça ? Je l'ai pas du tout. Le vent les a emportés. T'as raison. Ils ont retrouvé la lumière. Ou la capitaine abandonné. Capitaine abandonné. C'est excellent, hein. C'est très très. Mais en fait, c'est fou parce que moi, je me rends compte que je connais très peu les paroles, mais surtout les airs, quoi. Ouais, je fais beaucoup de yaourt, moi, quand je chante des chansons connues. Next! C'est la fin, le tout dernier. Putain, c'est le dernier jour du disco. Yes! Elle est énorme, ce morceau-là. Ne me lâche pas la main. Oh, c'est bon. C'est la fin. Ça nous fait comprendre quand même que les bonnes chansons sont un peu intemporelles dans le sens incroyable. Où ça aurait pu vraiment sortir dans les années 60, quoi, ça. Ouais, on dirait en fait, c'est, tu fais reset sur la créativité musicale, tu recommences, ils auraient pu faire ça. C'est fou. Mais ça, je pense que je connais pas par contre. Si Clara, je pense que j'ai entendu. Clara Luci... Non, c'est pas Clara. Non, c'est Juliette Armanet. Ouais, je l'ai confondu. Next. L'été dernier, fatigué, je suis parti sur une chaloupe. Bronzer ma carte crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi du vaudou, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? C'est du rap de base. Tire les pompons sur le chihuahua. Ah, tire les pompons sur le chihuahua. Mais ça pareil, hein, moi je connais pas, je pense. C'est Carlos. Ah ouais, Carlos. Tire les pompons. Ah non, je connais pas. Non, je l'ai pas. Mais... Next. Et ça c'est Sardou, non? C'est les lacs du Connemara. Ouais. Putain, yeah. Next. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su le rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blotti au chaud, à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue. Je sais que c'est une chanteuse, mais en vrai. Très connue. C'est pas Céline? Ouais, c'est du coup. J'ai prononcé tant de noms. Année 80. Qui n'avait aucun visage. Trop longtemps je l'ai respiré. J'attends un refrain. Bah oui, c'est long. C'était très long à l'époque. Moi je pense pas que je connais. Hein. C'est pas Jeanne Masse. Des visualiseurs. Eh oui, c'était pas les sons de 2 minutes 18. Dans les chansons, elles font 1 minute 30. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est maintenant. Ah, oh, c'est dingue. En rouge et noir, j'existe. Jeanne Masse. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Je l'ai dit Jeanne Masse. Mais t'es trop loin du micro, moi, maintenant. Qui a posé les yeux sur moi? Toi qui me parles beaucoup, que j'ai moins froid. Je te donne tout ce que j'ai à moi. Tout ce que j'ai à t'offrir. C'est pas ça? Mais... Mais j'ai pas le... Tu vois? Viens, je t'emmène. Le soleil, le soir, va se retourner. C'est pas le truc que tu chantes au mariage? Viens, je t'emmène. France Gall. Bravo. Bravo Céline. Je t'emmène genre Louise Attaque là. Ouais. Next. T'as le début, ça me parle. Non mais là ça n'existe pas. Qu'est-ce qui te fait courir après un autre toi-même pour que tu t'aimes? Hey. Qu'est-ce qui te fait nager contre le sens du temps? Pour au fond patauger,
dans le contre-courant. Qu'est-ce qui te fait vouloir posséder, enfermer? C'est pas Michel Berger? Toutes ces images relâchent dans ta propre cage. C'est juste une illusion, à peine une sensation. Juste une illusion, à peine une sensation. Ah, je l'ai fait. Bah, c'est Jean-Louis Aubert. Bravo! Céline, elle nous grand distribue la gueule. Mais bien pas, sûr. Bah, elle était au rayon disque. Exactement. Et oui, et oui, j'ai été acheteuse en disque, ouais, c'est vrai. Ah, ça, c'est stylé. Ah. Next! Ah, c'est bon. Oh! Un bon gros clip qui bouge bien avec les gens, ouais, qui bougent les cheveux. Avec les paroles, regardez. Ouais. Ah, c'est les Enfoirés. Bah, les Enfoirés reprennent. La première chanson, il y a plein de chansons. Il n'y a pas d'original. Il y a plein de chansons, je connais que grâce aux Enfoirés. Mes parents ont acheté les Enfoirés. C'est tellement crédible, c'est trop dur de trouver l'original. Attention, c'est là. Ah, c'est ah, putain, Mylène tout Farmer. Est KO. Oui, bah oui, Génération. Mylène Farmer. Mylène Farmer, Désenchanté. Désenchanté, non, Génération. Tout est KO. Façon métal, c'est pas mal, hein. À côté. Tu vois comment je chante? Tous mes idéaux abîmés. Je cherche une bonne. Next. C'est amusant ton truc là. Ouais, c'est sympa. Ouais, on s'amuse, ouais. C'est divertissant. C'est amusant ton machin là. J'aime bien. Ah, tant besoin d'aimer Johnny Hallyday. Non, tant besoin d'aimer jamais je n'aurais pensé tant besoin. Tant besoin de... Axel Red. Ouais. Sensualité. Céline est en train de nous mettre un score de... Et la dernière dans la gueule. Moi, je prends quand même une orange parce que... Moi, je les repose par humilité. Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit des phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie, à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais moi tout ça, je sais pas faire. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? Ah putain, je l'ai. PS, je t'aime. PS, je t'aime de Christophe Willem. Ouais, c'est pas très loin du truc. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai pitché pour ce clip, c'est pour ça que je connais bien le son. Ah oui? Ouais. Eh bien, merci beaucoup. On retrouve l'actualité des uns et des autres en description, ici, là, en bas de chaque publication. Le Comedy Club tout court, le gars tout bien court, quand sûr, tout court. Les spectacles de Céline, les spectacles à venir de Colin et de Sam. C'est bientôt un duo, finalement. Bientôt un 30-30, j'annonce. Et bien sûr, un 30-30. Et Olga aussi, bientôt sur scène et toujours dans le Comedy Club. Bientôt notre chaîne YouTube. Bientôt on lance notre chaîne YouTube. Mais oui, merci beaucoup. Rendez-vous ici la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Ciao.